Oui et non. Disons que ce sont des conflits qui peuvent avoir des conséquences pour les ressources naturelles, mais on ne peut pas dire que, par exemple, le déclenchement du conflit Israël-Hamas soit lié aux ressources naturelles. Son impact d'ailleurs sur les marchés mondiaux, soyons horriblement cyniques, aura été relativement limité. Le pétrole a un petit peu réagi, le gaz naturel aussi, mais ça s'est arrêté assez vite. Remarquons aussi que depuis l'année dernière, les tensions liées au conflit en Ukraine se sont quand même nettement diminuées, puisque les prix du blé ont pratiquement été divisés par deux, que finalement les marchés mondiaux ont appris à gérer avec des flux aléatoires de céréales ukrainiennes. Et que par contre, sur le marché du pétrole, là aussi, le pétrole russe a trouvé son marché et le différentiel entre le pétrole Brent, c'est-à-dire le prix international, et le prix du pétrole russe est relativement faible, largement supérieur d'ailleurs aujourd'hui au prix plafond qui avait été déterminé par le G7. On devait être à 60 $ le baril maximum et actuellement le pétrole Oural se balade entre 70 et 80 $. L'eau, de toute manière, est la source d'un certain nombre de conflits, je dirais récurrents, conflits de frontières, que ce soit entre la Turquie et ce que j'appellerais la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, que ce soit autour du Nil avec le barrage éthiopien et les relations que ça peut entretenir avec le Soudan et l'Égypte. Je dirais c'est récurrent. Par contre, il y a un certain nombre de matières premières, essentielles en particulier pour la transition verte. Je veux parler de tous les métaux qui sont nécessaires pour que ce soit les batteries électriques, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit les turbines. Et là, incontestablement, loin de conflits armés, nous avons de véritables conflits avec la Chine à la manœuvre. Il y a une semaine, la Chine a décrété, par exemple, non pas un embargo, mais la mise en place de quotas pour les exportations de graphite. Alors le graphite, ça vous dit peut-être rien, mais sur une batterie, vous avez une anode et une cathode, et l'anode, elle est faite en graphite, et la Chine représente 70% de la production mondiale de graphite, que ceci soit d'origine minière ou que celui-ci soit du graphite synthétique. Donc on voit bien que la Chine utilise sa position en termes de fournisseur majeur de la plupart de ces métaux, parce qu'elle a une domination de la métallurgie de ces métaux, pour améliorer je dirais, sa position de discussion face aux Occidentaux. Mais non, justement, le problème est que certes, nous consommons moins de certains produits, mais nous consommons plus d'autres. Le métal stratégique aujourd'hui, alors bon, il y a tous les petits métaux, le lithium, le cobalt, etc. Mais le vrai métal stratégique aujourd'hui, c'est le cuivre. Parce que le cuivre, il est pratiquement irremplaçable. Et si vous imaginez une transition énergétique faisant la part belle à l'électricité, ben, le cuivre est totalement nécessaire. Dans une voiture électrique, entre guillemets, il y a à peu près 50 à 60 kilos de cuivre. Là où dans une voiture à moteur thermique, il y en avait 25 kilos. Et la demande mondiale de cuivre, qui aujourd'hui est de l'ordre de 25 ou 26 millions de tonnes, pourrait être, selon un certain nombre de projections qui me paraissent relativement réalistes, de l'ordre de 45 millions de tonnes à l'horizon 2035-2040.
Or, nous n'avons pas pour l'instant suffisamment de projets miniers. Ces projets miniers se heurtent d'ailleurs à des problèmes de financement, car on parle en général de dizaines de milliards de dollars nécessaires, et aussi se heurtent à des problèmes environnementaux. Et ce sont paradoxalement les mêmes Verts qui réclament à cor et à cri une transition énergétique, qui s'opposent, pour des raisons environnementales tout à fait légitimes souvent, mais qui s'opposent à ce que l'on développe de nouveaux projets miniers, étant donné leurs implications environnementales. Ça et là, on a un certain nombre de problèmes dans des pays comme le Chili. On a des problèmes actuellement, un énorme projet minier bloqué au Panama, etc. Et donc, je dirais que de toutes les matières premières aujourd'hui, peut-être celle qui m'inquiète le plus pour l'avenir, c'est paradoxalement le plus vieux des métaux, celui avec lequel, allié à un peu d'étain, on faisait du bronze pour fabriquer des glaives et des armes il y a déjà 3 millénaires. Alors, oui et non. Parce que d'abord, on sait on sait réutiliser aujourd'hui, je reprends le cas du cuivre, on commence à exploiter les déchets de mine, c'est-à-dire ce que l'on avait laissé de côté parce que la teneur en cuivre était insuffisante. Maintenant, on sait à peu près de manière rentable les exploiter. Donc, la question est moins... quelles sont les limites maximales de ressources que l'on va atteindre, mais c'est beaucoup plus de savoir si l'on pourra les exploiter, à quel prix et à quel coût pour l'environnement. Donc, alors, sachant de toute manière qu'on a déjà eu des périodes un peu ainsi dans l'histoire, et il y a une variable que l'on oublie toujours, c'est la variable technologique. C'est Éluard qui disait qu'il fallait jamais regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Ben je crois, en le paraphrasant, qu'il ne faut pas envisager l'avenir avec les technologies d'aujourd'hui. On est capable de s'adapter. C'est pour ça que je ne suis pas très inquiet pour tous ces petits métaux qui sont tous plus ou moins interchangeables les uns et les autres. Le cas du cuivre me paraît plus gênant. Par contre, dans le champ de l'énergie, selon toute probabilité, à la fin de ce siècle, il y aura toujours du pétrole et du gaz, et les hommes auront été assez sages pour ne plus l'utiliser.